Pédagogue d'Enser, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous emmène avec moi pendant 48 heures parce qu'on va vivre 48 heures de fou. On va vlogger un petit peu. Allez, c'est parti. Hello les copains, bon bah voilà, on a fait 3h15 de route et nous voilà arrivés dans 8 hectares de pré, de piste. Ça va être super chouette. Et coucou tout le monde. Alors, ça résonne un peu. On est réveillé depuis très très tôt. On est en train de travailler sur toute la liste de photos qu'on va faire à Lola pour le tome 2. Et après là, on va aller promener les chiens. Donc ça commence à prendre forme. Et ensuite, on va travailler sur les scripts des vidéos que vous découvrirez bientôt. Tes chiens, ils sont partis à l'agility, eux. Ouais. Ça ressemble à un club d'agility, ça. Ça fait longtemps. C'est trop bien, on va pouvoir en faire, il y a tout, il y a le parcours et tout. Ça roule. Et Julie a quelques petits problèmes pour rouler. Elle est plus de première jeunesse, hein. Elle a commencé avant. On a perdu mamie. Heureusement il y a la jeunesse qui est là. C'est la team cuisine. Alors Julia a une étoile et radie. Beaucoup d'applications. Le gars, il est parti pour la sieste de la journée. On va plus prendre un moment. Mathilde est très sceptique avec sa vinaigrette. Bon, Mathilde, non, parce que t'as bien convaincu sa vinaigrette. Sa vinaigrette est plus grosse. Quand il mange, il dort. Air couture. Ouais. Du air ordinateur. J'ai ramené la mèche. La préparation. Et ma petite madame Pouille, toi aussi tu prépares? Ouais. Préparation ultime. En fait, on passe notre vie à se préparer. Depuis ce matin, je dis on prépare ça. On a tout rien fait, mais alors qu'est-ce qu'on prépare? Nickel. Qu'est-ce que t'en penses? Coucou. Alors, petite vidéo cadeau, petite vidéo de présentation des coulisses un peu de la ceinture sacoche. Donc nous voilà, information, je suis Julia Téchenet. Moi j'ai fait surtout du dog dancing, de l'éducation canine bienveillante. Et donc... On regarde quoi? Ça te motive? Tu manges le décor? Mais parfois, tu sais, le matin, je me lève la tête d'un coup, je me dis, putain, faut que je fasse une vidéo. Et là, je me maquille un peu et je fais, salut les docteurs, j'espère que vous allez bien. Et après la vidéo, je suis, putain, j'en peux plus. Alors qu'il y a 2 minutes. Hein. Arrête de manger le décor, toi. Il mange le décor. Bon, on a fait le tour de chauffe, maintenant on recommence. Changement de décor. Il y a un problème technique, hein. Mais moi aussi je veux une place. J'avais dû faire ça. Comment veux-tu que je sois belle à la caméra? Regarde-moi ça. Regarde. Ouais. Moi j'ai abandonné.
bah voilà les gars, il est 23h30, fin de journée, on a mangé, on a passé une super soirée, une super journée, super riche à la fois entre boulot et puis un petit peu esprit colonie de vacances, donc c'est super sympa. Là on va ressortir les chiens et puis on va aller dormir un petit peu parce que demain, gros boulot, il y a Lola qui est arrivée pour nous faire les super photos du tome 2, puis on a une vidéo à vous tourner pour danser avec ton chat, donc encore pas mal de boulot à faire, mais ça fait vraiment du bien d'être là entre copines. Voilà, vous croyez qu'elle était community manager, coach et tout ça, et puis les femmes de ménage. En fait elle est juste plongeuse. Lola, tu peux faire des stages. C'est pas les mêmes fonds. Regarde ta vitesse, sinon. Ouais, c'est bon pour moi. Rien. Alors ça dépend, on l'a avec la queue à gauche ou la queue à droite. Ça sent la fin, ça sent la fin. Petit rangement. Voilà, les deux jours de travail sont terminés. C'était deux jours hyper fatigants mais tellement enrichissants. On s'est vraiment beaucoup amusés entre copines, les chiens ont été extraordinaires. Maintenant, on a un petit peu de route, alors on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures.